le tout premier Bercy où je suis venu dans le Cheur, c'est dans les années 80, lorsque Bercy a ouvert et que c'était le premier tournoi ici. Et j'ai des souvenirs, c'est d'émerveillement du lieu, parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire sur Paris. Il n'y avait rien, c'était tout neuf. Voilà, on avait emmené tous les enfants. Je dirigeais un club de tennis à cette époque-là et on avait emmené tous les enfants du club, enfin beaucoup d'enfants du club, pour l'inauguration et c'était formidable. Ouais, c'est mon meilleur souvenir, c'était quand la première fois que je suis venu, c'était le premier match de tennis que je voyais. C'était quoi le premier match de tennis que t'as vu ? C'était Tsonga contre. Je sais plus contre qui. De voir les joueurs en vrai proches. Et j'ai bien aimé. C'était en 2011. Un des joueurs qui m'a le plus marqué ici, c'est Boris Becker. Donc c'était un des premiers vainqueurs du tournoi ici. Et voilà, c'était un tennis atypique et, à l'époque. Et voilà, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué. Sinon, j'ai apprécié beaucoup quand c'est des Français qui ont gagné aussi, évidemment. Le joueur qui a marqué à Bercy, c'était Tsonga. Pourquoi est-ce que ce joueur, il te marque ? Parce que je trouve qu'il joue bien et que c'est l'un des meilleurs joueurs français. Déjà, je découvre cette année les nouvelles installations, parce que tout a été refait depuis que ça fait 2-3 ans que je ne suis pas venu. Donc c'est tout neuf, ça a changé d'aspect, c'est modernisé, les sièges sont plus confortables. Sinon, l'ambiance reste la même, c'est un public de connaisseurs, donc on est en famille, quoi. Ce que j'aime dans le nouveau Bercy, c'est l'entrée des joueurs. J'aime bien l'ambiance quand il y a toute la lumière là, sur le terrain, quand elle arrive.